Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une génoise au chocolat cacao. Donc il vous faut 140 g de sucre avec une cuillère à soupe de sucre à côté. Il vous faut 80 g de cacao, 40 g de fécule de maïs, 40 g de farine. Il vous faudra aussi 10 g de beurre si besoin. Là, on va casser les œufs et séparer les jaunes des blancs. Les blancs seront pour monter des blancs en neige bien fermes. On incorporera la cuillère à soupe de sucre dedans. Là, j'ai cassé mes jaunes, je les ai mis dans le sucre et je vais mettre mon bol sur la machine pour qu'ils blanchissent. Pendant ce temps, je vais monter mes œufs en neige où j'ai mis la cuillère à soupe de sucre dedans au milieu. Donc mes jaunes et le sucre ont bien blanchi. On va y ajouter la farine et la fécule et on va laisser bien tourner. Donc on laisse tourner. Après, nous allons mettre la poudre de cacao. Alors ça fait une pâte assez épaisse, mais c'est comme ça que ça se fait. Donc et là voilà, ma préparation est prête. On va incorporer tout doucement les blancs à la reste de la préparation. Donc en levant bien sûr la cuillère, on les incorpore en légèreté. Ça va nous donner une pâte qui va ressembler à une mousse, regardez. Alors moi, ma génoise, je vais la mettre dans un plat, donc sur ma plaque avec un papier sulfurisé. Si vous, c'est pour faire un gâteau, mettez-la dans un moule que vous beurrez et où vous mettez un papier sulfurisé au fond. 25 minutes dans un four à 180 degrés. Là, voilà. Donc, là, moi, je vais la mettre moins longtemps, mais normalement, c'est 25 minutes dans un four à 180. Donc, on laisse bien cuire. Alors là, elle est cuite, on va la laisser refroidir et après, moi, je vais m'en servir pour faire un semblant de Kinder. Merci d'avoir regardé ma vidéo, à bientôt.